Alors donc vous allez assister au message des pélicans prisés et j'en profite pour donner quelques explications sur ces oiseaux. Alors tout d'abord, pourquoi appelle-t-on ces pélicans les pélicans prisés? Je pense que vous l'avez bien compris, si vous regardez juste derrière leur tête, on va observer une petite huppe frisée qui est entre autres caractéristique chez cette espèce. On va manger environ 1 kg de poisson par jour. Donc ici au parc des oiseaux, c'est plus de course des poissons qu'on a. Alors il faut savoir que pendant que l'état sauvage, cette espèce est menacée de disparition, principalement à cause de l'homme bien sûr, qui détruit son habitat en asséchant les zones humides. Et c'est pourquoi le parc des oiseaux participe activement à la préservation de cette espèce, puisqu'il était en effet la plus grande colonie captive
depuis le camp Frisé-Bande, il part ici dans le village juste devant lui, dans une situation à droite, qui vient attraper le poisson. Donc c'est un jeune âgé de 20 et demi. On peut voir que le climat est tout plus isolant pour celui des habitants. Donc ici, ça du tout le long. Enfin aussi, beaucoup d'échanges entre différents parcs zoologiques français et européens afin de favoriser un brassage génétique. Le grand colombier. Bon allez, je vous ramène au parc. Accrochez. Thank you.
la dernière fois qui était chouette, on était assis là-bas, tu te rappelles? Oui, parce que c'était bien chouette. À ce jour, 10 000 espèces d'oiseaux peuplent tous les milieux. Des glaces de l'Antarctique, aux forêts tropicales, en passant par les déserts les plus arides. L'incroyable diversité de leurs couleurs et leur faculté de voler ont depuis toujours fasciné l'homme. Je vous propose alors de lever les yeux vers le ciel, en direction des oiseaux, et de vous laisser porter par leur battement d'ailes. Gracias.
Il y a le même que dans les mots. Hein? Voilà, Bi. Thank you.